des femmes. Un résumé pour nous. D'abord, j'ai été ravie de la forte mobilisation des femmes et surtout de leur prise de conscience de la nécessité de prendre leurs responsabilités. Elles ont non seulement exprimé des attentes que je prenais en compte comme un projet de société, mais surtout elles ont été très vives, très engagées et très enthousiastes à l'idée d'un des harcèlements. Donc, nous avons communiqué, nous avons partagé nos connaissances et surtout, j'ai noté qu'elles ont balayé tous les problèmes du Gabon. On parle de l'école, de la santé, de l'alimentation, du conflit homme-femme, des problèmes d'éducation, parce que pourquoi être choqué par l'introduction de l'enseignement de l'homosexualité au niveau de maternelle, ce qu'on ne comprend pas. Et donc, oui, je les félicite parce que ce sont de vraies citoyennes. J'ai compris qu'elles étaient véritablement élevées dans la cité. Madame, c'est quoi l'intérêt d'avoir de les avoir rencontrés à la veille d'une élection présidentielle? C'est très important d'abord parce que 52% de la population gabonaise est composée de femmes. Donc c'est le premier groupe qui est celui de jeunes. Jeunes femmes, jeunes garçons. Donc il est important, et puis dans nos traditions, la femme, elle est au cœur de la famille, elle est au cœur de la cellule familiale. Nous avons tout le sud qui est matriarcal. Donc c'est la femme qui organise la vie de la communauté. Et donc, il est important, lorsqu'on veut détruire ce pays, de prendre la vie de ces femmes-là. Et j'ai été impressionné par leur capacité véritablement de poser les problèmes de la République et de montrer la voie à suivre pour une République meilleure. Alors, vendredi dernier, vous avez entamé une démarche au niveau de... Parce que nous considérons que cette nouvelle loi, cette nouvelle modification est anticonceptionnelle. En plus du fait que, dès les fêtes, alors que le match a commencé, parce que moi j'ai déposé ma candidature la veille de la modification, je ne change pas les règles du jeu, en cours de match. Et puis, il n'est pas normal, un candidat, on est candidat tout seul, c'est individuel, la candidature est individuelle à la présentation. Donc, on paye seul 100%, on doit être représenté. Ce n'est pas un groupe qui va le représenter, comme c'est dit dans la loi, que la majorité de représentants peut se le représenter. Non. La candidature, elle est individuelle et tout le dossier se fait individuellement. Donc, un candidat à la présidence peut avoir son représentant dans les mouvements. Ensuite, ce qui est de la véritable accolée qui a été supprimée, ça c'est un recul démocratique. Cette enveloppe a été le fruit d'une concertation de toutes les forces de programmation en 2002. Merci, Madame le Président.